Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui un petit top 5. On va analyser 5 petites vidéos où on a tout simplement fait un petit chantier de bot. Un petit ou gros chantier de bot, tu vois. Comme la première vidéo que je vous montre au début, c'est pas spécialement un gros, il y a beaucoup de bots, mais l'outil utilisé est assez intéressant. Et puis on a tout simplement du transport, on a du déchargement et on a aussi. Enfin, non, on n'a pas de transport, on a du déchargement, on a du ramassage sur champ et on a aussi des trucs avec des petits ballots, et ça c'est intéressant. Restez jusqu'à la fin et bonne vidéo, et mettez un pouce bleu si elle vous a plu. Et si elle, enfin, à la fin, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Voilà, bonne vidéo. Du coup, comme je vous en ai parlé dans l'intro, la première vidéo, pourquoi je l'ai choisi? Alors, en fait, en gros, ça a été sorti, alors je crois que c'est les... Je ne sais même plus comment ça s'appelle le nom sur Farming. Il faut savoir que ces fourches-là sont sorties. En gros, vous avez des pics par devant et par derrière que vous pouvez le voir dans la vidéo actuellement. Et là, vous pouvez voir, enfin, c'est... Regardez à la hauteur que c'est. Et là, en fait, là, ils vont... Vous voyez, le pic en dessous, il est vide et là, il peut encore reprendre des ballots. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Quand tu vois ça sur la route, enfin c'est pas bien quoi, genre il n'y a pas spécialement beaucoup de ballots hein, mais quand tu vois le machin, tu te dis bon c'est quand même c'est quand même pratique pour prendre quelques ballots, tu vois, genre t'as pas besoin spécialement d'un gros plateau et puis voilà. Deuxième vidéo, c'est aussi une vidéo basique, un peu comme la fin basique. Non, c'est vrai que la première était un peu différente, là c'est une vidéo basique, c'est un Arcusin tout simplement qui ramasse les ballots. Alors j'ai mis quand même une petite vidéo d'Arcusin, donc c'est un John Deere et je crois que le Big Ball c'est un John Deere aussi. Donc ça a été, enfin il n'y a pas trop de, tu vois, d'informations sur, parce que ça a été montré à la télé je crois. Il n'y a pas trop d'informations, bon, en tout cas voilà, c'est un Arcusin basique comme il y a sur Farming, sauf que c'est d'une autre marque. Alors la troisième vidéo, et c'est là que commence le kiff les amis, les petits ballots. Les petits ballots, ça a toujours été un kiff pour moi parce que bah il y a quelques années actuellement, enfin il y a quelques années déjà quand on faisait ça avec mon beau-père et tout, bah voilà, on charge la fourche et tout, ça me rappelle plein de souvenirs les vidéos que j'ai vues actuellement et que vous allez voir. Donc regardez, hop, quand on devait, bah là, en fait déjà là c'est déjà pas mal, mais nous, en fait on pressait le champ. Mais genre il n'y avait pas directement, tu sais, ça mettait pas directement dans la remorque derrière. Hein. On pressait le champ et puis on allait nous-mêmes avec la remorque rechercher la bonne sur le champ. Genre il n'y avait pas tout le phénomène de... Enfin il n'y avait pas le... Ça mettait pas directement dans le chariot. Donc il y avait un mec qui montait sur le chariot et puis on... Enfin donc on revenait sur le champ. Un mec était sur le chariot, un mec qui les balançait et tout. Mais oui c'était à part, c'était pas incident. Puis voilà, bah, là ils ont même un tapis roulant pour les faire monter. Donc c'était un John Deere 5085M et un John Deere 328 pour la presse. On peut voir les ballots qui vont dans un tapis. Ça, c'est, j'ai déjà vu ça en vrai et c'est assez cool à voir. Bon, là, du coup, c'est automatique et tout avec le plateau et tout. Mais je peux te dire que normalement, il y en a une qu'on va voir prochainement. Là, elle pète du cul. Alors, pour la quatrième vidéo, alors désolé, je pensais que j'avais encore une vidéo avec des petits ballots. Mais non, au final, enfin, j'ai voulu mettre des trucs différents. Mais en tout cas, celle d'avant pour les petits ballots était vraiment magnifique à voir. Et je vous invite à aller les voir, ceux-là, elles sont vraiment cool. Encore une fois, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Ça, c'est vraiment du gros de chez du gros en fait. Là, on a vraiment une pile de ballots. Regardez, en plus, vous dites, ouais, la pile, machin. Mais il y a encore derrière, à gauche, à droite, tu vois, il y a des ballots partout. Regardez, c'est même filmé en drone pour vous dire. Donc ça monte vraiment haut. Et genre regardez-moi ça, la pile de ballons. Là je peux te dire qu'il est tranquille pour un petit moment niveau paille. En tout cas voilà, donc c'est bah, moisson, je ne sais pas, moisson 2016 tout simplement. Et bah vous pouvez voir que c'est assez impressionnant les piles de ballons quand même qui sont faites Mais vous, comme je vous ai dit, vous pouvez aller la voir au complet juste dans la description. Pour la dernière vidéo, c'est pareil les amis, on a bah, la même chose, tout simplement un JCB qui va décharger un plateau et le mettre sur des piles. Donc ça c'est des bottes d'enrubané, donc vous pouvez voir les grosses piles de ballots, enfin de ballots quoi, qui sont faites. Donc là on a un peu enrubané, avant c'était des ballots de paille, etc. Donc c'est assez impressionnant à voir, surtout que les deux vidéos que je vous ai chopées, elles sont filmées en drone, donc c'est toujours sympa. Et puis voilà, donc... Franchement je trouve ça sympa, j'ai pris mon kiff parce qu'avant, enfin ça c'était déjà ce que j'avais vu genre il y a 3 ans quand je m'intéressais vraiment à tout ce qui est IRL et tout, enfin avant je regardais que ça comme je vous avais déjà expliqué. Et vraiment c'est intéressant, moi ce que j'ai kiffé et ce que je peux vous conseiller c'est d'aller voir la vidéo avec les petits ballots et d'aller voir dans les suggestions et regarder quelques vidéos avec les petits ballots, c'est vraiment très intéressant à voir et c'est vraiment... Très sympa à voir, moi je peux vous le dire, pour les fans, et les stockages comme ça sont vraiment très intéressants, et la première aussi avec le Manipic, bon ça c'est un peu plus pour le LOL, mais les trois autres, enfin les trois dernières sont vraiment intéressantes, donc je vous invite à aller voir, tout simplement en checkant les liens, et puis on... Bon, après vous continuez sur YouTube tout simplement. En tout cas voilà, à quoi servent les top 5 là? C'est à vous montrer des vidéos que vous pouvez voir complètement. Moi je vous montre un extrait, si ça vous intéresse tout simplement c'est aller voir la vidéo par vous même et voir un petit peu la vidéo complète. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de vous dire un petit peu ce qu'ils font dans la vidéo et de vous la montrer vraiment. Et si vous voulez
Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller la voir dans la description du coup. Et voilà, c'est à ça que servent les top 5, ça vous montrer un petit peu le contenu qu'on peut trouver autre part que sur Farming. Et puis voilà, et puis c'est parce que moi j'ai regardé ça avant et je trouve ça intéressant. Donc du coup, bah voilà, après c'est à vous de vous balader comme ça. Mais en tout cas, moi je vous donne des petites idées de vidéos. Et en tout cas, en parlant d'idées, n'hésitez pas à me donner aussi vos prochains tops si vous les voulez dans les commentaires, que ce soit du labour, du fauchage, etc. On verra par la suite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis voilà. Merci à tous et à plus tard. Said mustache, a mustache, a mustache. If you've only got a mustache.